Salut, vous êtes en train de vous dire, mais elle est où? Je ne reconnais pas. Mais oui, c'est la chambre du fils d'Eric qui va d'ailleurs chercher là à l'aéroport tout à l'heure. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le même jour, c'est-à-dire que nous sommes lundi. Ce que j'ai décidé de faire, parce qu'hier dans le vlog, je vous disais que j'allais vous montrer ce que j'avais rangé, réaménagé. J'ai eu un petit contretemps, ce qui fait que j'ai pas pu faire tout ce que je voulais, c'est-à-dire ni ma chambre, ni le salon. J'ai réussi à faire deux endroits, mais je me suis vraiment focalisée à fond, donc bon, bah, ça a pris pas mal de temps. Je vais vous montrer, même s'il n'y a pas énormément de choses, mais j'aime beaucoup le résultat. C'est très sympa, c'est très prometteur. Vous constaterez que j'ai mis un collier, ce qui est très très rare dans mon cas. C'est un gros collier en plus, donc j'ai pas l'habitude, mais je trouve que celui-ci habille particulièrement la tenue. Je l'adore. C'est un Stella & Dodge, je crois que ça se fait plus. C'est une marque américaine. Et ouais, ils le font plus, mais j'avais gardé celui-là parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. Je vous ai dit également que ce soir, on voyait donc tous les enfants d'Eric notamment, il y a également ma fille, et on va s'échanger les cadeaux. Bon, ma fille, elle était là à Noël, mais ses enfants, non. Ce qui fait que bah, on va faire ça. Ça s'est transformé en... C'était normalement un dîner. Et ça s'est transformé en apéro dînatoire qui va se faire eh ben, chez ma maman. C'est elle qui a proposé parce que bah, déjà, les a... Oh, ça fait très très longtemps qu'elle les a vus. Je crois que ça fait plus d'un an ou deux. Et ben, voilà, donc c'est l'occasion de se revoir et de faire ça chez elle. Mais pour pas que ça fasse trop de boulot, je lui ai dit que je voulais pas que ce soit un repas assis parce que c'est fatigant quand même. Et bah, j'allais l'aider cet après-midi, ça va être pour tout ce qui est petit toast et compagnie. Vu que je suis dans sa chambre, je vous montre, avec Eric, on a pris ça hier chez Jiffy parce qu'on voulait lui prendre donc un rangement, qu'il fasse rangement bah, mec. Et c'est vrai qu'il est pas mal, donc ils vont le monter ensemble et on fera ça. Donc je vous montrerai d'ailleurs la chambre quand elle sera un petit peu réaménagée, j'ai pas l'habitude parce que c'est un garçon, mais ça peut être cool aussi. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On va avancer. La chambre là avec le nouveau miroir, j'ai pas touché. Je pense que le miroir va rester là, mais rien n'est dit. C'est vrai que certains, vous me dites, et c'est vrai, pourquoi ton nouveau miroir, le doré, tu ne le mettrais pas en bas? Alors j'y ai pensé, mais je vois vraiment pas parce que non. Si je le mets à l'endroit que je pensais, il y aura un point de lumière en moins. Bref, j'ai lâché l'idée. Par contre, dans mon bureau, changement. Donc tout mon aménagement est allé à côté pour faire mon fond de vidéo. Et j'ai mis le miroir ici, avec le petit tabouret. J'aime beaucoup. Bon, ça me fait un autre point pour vous montrer, même si c'est un petit peu à contre-jour. Je vous explique pas, je vous montrerai le soir quand c'est éclairé. C'est super joli. Donc j'ai mis la petite guirlande. Je vais vous montrer quand même, mais bon. Voilà, oui, forcément, ça rend vraiment mieux le soir. Et j'aime beaucoup. Faut que je m'y fasse. Alors au début, je trouvais que ça faisait un peu vide. Mais finalement, ça agrandit complètement. Attendez, je me recule. Voilà, vous trouvez pas? Je trouve que c'est ça agrandit. Et c'est ce que je voulais. Ensuite, je cache, je cache, je cache. Salle vidéo. Je voulais un fond de vidéo qui change. Évidemment, j'ai fait ça hier un peu, il faisait nuit. Et là, je n'y suis pas retournée en fait. J'ai mis des trucs vite fait que je vais enlever parce que c'est trop chargé, on est d'accord. Il faut que je tourne une face cam pour que je me rende compte des changements à faire éventuellement. Des switches, est-ce que j'enlève une chaise, est-ce que je garde, même si j'aime pas quand on voit ça, donc je coupe en général ici. Là, mon horloge, je l'aime beaucoup. Regardez ce que j'ai fait. Vous vous souvenez? Le papier peint que j'ai reçu de la marque Cadmure pour justement mettre là, et bah au final, j'ai fait un fond. J'ai fait le fond sur certaines cases et je ne vais pas le mettre ici. J'ai complètement changé d'avis. Mais je vais le mettre ailleurs, j'espère que la marque sera pas... Ouais, non, je pense qu'ils s'en foutent, de toute façon j'avais publié. Je vous montrerai où je compte mettre le papier peint. Mais j'ai mis les éléments pour me rendre compte et voir un petit peu. Cela par exemple, ça n'a ni queue ni tête là, c'est trop bordel. Ici par exemple, je sais que on le verra pas, puisque le sujet, donc moi, je serai vraiment devant, ça on le verra. C'est ce que je voulais parce que je l'adore. En plus, Wake Me Up, ça me fait penser à quand je faisais la petite émission Wake Up. Je vais m'asseoir, tiens. Une petite simulation face cam, ce que ça donne. Le mannequin qui est ici, je l'ai mis là vraiment en attendant. Je pense pas qu'il reste là. Alors, vu comme ça, on est d'accord, ça fait super chargé. Donc, plan resserré quand je présenterai des box ou autre, que je vous parlerai de n'importe quel sujet. Ça peut être sympa. Bon, voilà l'idée. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, je vous montre aussi hein, l'autre idée pour le papier peint juste en dessous.
Ce que je ne vous ai pas dit concernant cette vidéo, sachant que cet après-midi, j'avais aidé ma maman à faire les toasts. C'est possible que ça tremble, j'ai le bras qui est en suspens. Je ne vais pas vous montrer la partie toast, la partie soirée. Je vous montrerai dans le vlog de demain, ça sera la suite. Par contre, le vlog de demain, vu que avec donc les préparatifs, la soirée, je le posterai le 31, mais ça sert à rien que je la poste le 31 à 18h. Personne ne va regarder, c'est comme pour Noël. Donc je me tâte. Ce sera peut-être le 1er à 18h, ou ça sera peut-être demain si j'ai eu le temps de le monter, vers midi ou 13h. À voir. Donc ne vous inquiétez pas si c'est pas à l'heure ou s'il n'y a pas. C'est normal. Voilà pour les petites nouveautés. Je vais éteindre ça quand même. Souvent quand il va au lit, il me prend un petit truc Victoria's Secret. Et comme il y va tout à l'heure. Bonjour Masaki. Vous gardez jusqu'à quand vous votre sapin? Parce que moi je... Une fois que Noël est passé, je trouve que c'est triste. Même tous les éclairages et tout. Je vais brancher pour le luminaire de devant. L'entrée est super sombre hein, parce que j'ai le rideau qui est fermé. Alors je vous montre l'idée. Il s'agit donc du même papier peint. J'avais dans l'idée de le mettre ici pour justement cacher un petit peu toutes les taches qui peuvent apparaître, les taches d'humidité. J'en aurai suffisamment pour faire en tout cas tout ça, ça, et puis peut-être redescendre uniquement ici. Je pense que ça serait très sympa, mais Eric, attendez. Chérie, oui. Tu me disais quoi concernant le papier peint, toi? J'ai peur que ça ne tienne pas. Bah, ouais, mais alors on fera jamais rien. Non, mais en mettant, parce que tu sais que la marque m'avait donné quand même... J'avais proposé quelque chose. C'était quoi? Ah oui, les... J'avais proposé quelque chose. Ouais. Bon. Je ne sais pas. Donc l'idée, c'était vraiment de mettre ce papier. Je pense que ça serait très joli. Ça, ce sont les cadeaux pour ce soir, les premiers cadeaux. Et du coup, mettre également leur luminaire, donc ils m'avaient envoyé, qui est raccord. Et ça serait à la place de celui-ci, que je trouve d'ailleurs très bien quand même. Et là, vous allez mieux vous rendre compte des tâches. S'il me reste du papier, je tout ça, hop, et hop, uniquement ici. Je suis persuadée que ça rendrait très très bien. On est toujours sur... des cartons, déchetteries à venir. On stocke tout ici parce qu'au moins on est sûr d'aller les mettre parce que ça nous saoule à un moment donné de les voir entassés. Vous voyez pourquoi? Vous me dites, oh, pourquoi tu les attaches? C'est mieux au carré. Parce que c'est pas joli. C'est... Mais tu te tais. C'est pas net. Ça part en cacahuète. J'aime pas. Et derrière, c'est encore pire. Parce que là, ah oui, ils sont peut-être blancs. J'ai mis du shampoing sec. C'est-à-dire qu'ils sont beaux le premier jour. Le deuxième, ça commence à vriller. Et alors après, 3, 4, 5, c'est une cata. Donc, je mets du shampoing sec. Mais le shampoing sec, fait un côté plat. Parfois, ça fait même des petites taches blanches. Et je n'aime pas. Je n'aime pas ce carré. Ça fait tout filasse. Et je vous dis, vous ne voyez pas derrière, mais c'est moche. Donc, les cheveux carrés, oui. Mais le premier jour, quand ils sont propres. Et encore, là, ce n'est pas le premier jour. Là, on est au troisième, quatrième. Je déteste. Mais bon. C'est pour ne pas avoir les cheveux tout le temps attachés. C'est pour ça que l'idée extension, tout ça, est toujours en suspens. Qu'est-ce que t'as? Ah oui, bah oui, vous savez quoi? Hier, je suis allée, nous sommes allés avec Eric chez Jardiland et j'ai vu les deux chats, si vous me suivez sur Insta. Donc le chat Milou, voilà, qui avait disparu, j'ai été les voir. J'ai changé les croquettes de Jack parce que Royal Canin, moi c'était la Veto il y a très longtemps où la secrétaire de Veto qui disait « Oh, c'est une très bonne marque ». Et apparemment, c'est controversé, ça serait pas terrible. Donc, j'ai opté pour celle-ci. Vous auriez vu ce matin, il boudait. Il a mangé ce que j'ai mélangé, ses anciennes et ses nouvelles. Et il a laissé toute celle-ci de côté. Mais je vais insister. Mais oui, c'était une nouvelle croquette. Et on a pris quoi? Pour retirer les petits caca. Ben oui. Pour résumer tout ça, je vais manger. Parce qu'il est donc 12h35. Je sais qu'il est très tôt, je sais que ce vlog aura été minuscule, mais je vous avais prévenu. Et après, je m'en vais finaliser les petits cadeaux, et après c'est fini. Et aider ma maman, tout ça, tout ça. Mais tout ça, ce sera dans le vlog de demain ou d'après-demain, selon l'horaire, selon si j'ai eu le temps de vous le publier. Parce qu'il est hors de question, comme je vous dis, que je publie à 18h demain, ça n'aura aucun sens. Il est pénible, là. Je vais donc terminer maintenant ce vlog. Et bah, vous dire à demain ou après-demain pour continuer et cette journée et les jours suivants.
Je vous fais un gros bisou et encore un grand grand merci. Vous êtes de plus en plus, nombreux à me suivre et ça fait vraiment plaisir. Si, si, si. Je vous fais un énorme bisou. Salut. Ces voitures. Il va falloir qu'on change la fenêtre et mettre du double vitrage depuis le temps. Ça, c'est une autre histoire. Il nous est arrivé une aventure. Bref, ce n'est pas le sujet. Bisous.